Salut tout le monde, c'est Delou. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 coiffures pour les personnes aux cheveux courts comme moi. 5 coiffures qui peut-être vous aimeriez y essayer. Et puis ces coiffures là vont peut-être vous aider à donner une seconde vie à vos cheveux. Puis ça leur donne un nouveau style qui sera super génial. Par exemple à l'école, n'importe où. Vous voulez seulement redonner une nouvelle vie à vos cheveux, donc vous êtes dans la bonne vidéo car aujourd'hui je vais vous montrer ces astuces super efficaces qui vous prendront que quelques minutes. Donc suivez-moi. Pour cette coiffure, un élastique sera suffisant. J'ai pris un élastique semi-épais. Commencez à prendre votre peigne et séparer les cheveux bien correctement. Pour ensuite prendre une certaine quantité de cheveux, pas très épaisse ou pas très mince, mais suffisante pour réaliser cette demi-queue de cheval haute. Ensuite, vous prenez votre élastique et vous l'attachez. Voilà pour cette coiffure, je l'aime vraiment, elle est super pratique. Donc cette coiffure est très bien. Pour cette coiffure, vous n'aurez que besoin de 4 élastiques et de quelques pinces à cheveux, minimum 2. Pour faire cette coiffure, commencez par prendre une certaine quantité de cheveux, pas épaisse ou pas mince, mais suffisante pour faire une nappe. Vous pouvez aussi vous servir de votre peigne pour vous aider à séparer les cheveux correctement. Vous pouvez l'attacher avec un élastique. Et assurez-vous bien que la natte est bien haute. Et vous continuez à faire la même chose pour de l'autre côté. Prenez une certaine quantité de cheveux. Séparez bien les cheveux avec une peigne. Et l'attachez pour former la deuxième natte. Ensuite, prenez une de vos nattes et commencez à twister. Et pour faire le chignon, vous ne faites que tourner la nappe. Et vous l'attachez avec un élastique en appuyant sur le chignon pour pas que tout se défait. Et vous faites la même chose pour de l'autre côté. Vous twistez, vous faites quelques tours et vous pesez sur le chignon pour vous assurer que rien ne se détruise. Finalement, comme vous voyez, il y a des mèches qui se dessortent de l'élastique. Prenez des pinces et l'attachez. Donc voilà pour cette coiffure, je l'aime vraiment, elle est super mignonne et très stylée en plus, ça va avec tous les styles. Et puis je dirais que cette coiffure c'est un de mes préférés car je fais cette coiffure souvent. Pour cette coiffure, vous aurez besoin de quelques pinces à cheveux et de quelques élastiques minces pour faire les petites tresses. Et puis pour les pinces, ce sera plutôt un ajout qui mettra en valeur cette coiffure. Commencez par prendre votre peigne et faites une raide sur un côté que vous voulez, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Après, prenez une mèche et commencez par faire une tresse. Et vous continuez à faire d'autres tresses de l'autre côté. Pour décorer de l'autre côté, prenez une pince et faites la rentrée dans vos cheveux. Et assurez-vous bien qu'elle soit solide.
J'aime vraiment cette coiffure, elle me donne un style rebelle et courageuse. Si vous voulez réaliser cette coiffure, ce sera important d'avoir au moins 2 élastiques si vous voulez faire 2 mini tresses et quelques baies. Moi, je les ai pris rouges car j'adore cette couleur. En premier, prenez une de vos mèches, pas très épaisse ou mince, peu importe, mais moi je dirais que mince c'est la meilleure car pour insérer les baies, ce sera plus facile. Donc vous commencez à faire des tresses. Et lorsque vous voulez insérer une baie, c'est très important de mouiller une de vos pointes pour que lorsque vous rentrez la baie, elle sera facile car les mèches resteront stables. Vous rentrez la baie et pour s'assurer que la baie ne retombe pas, faites un croisé sur cette mèche là avec les autres mèches que vous faites la tresse et vous continuez. Donc c'est ça. Mouillez une de vos mèches là où vous voulez rentrer la baie et vous l'entrez et faites une tresse. Et quand vous avez fini, vous pouvez attacher avec un élastique. Et on fait la même chose pour de l'autre côté. Donc voilà pour cette coiffure. Je trouve qu'elle est super originale. Elle met de la joie sur mes cheveux. Par exemple, si vous avez des vêtements qui sont de cette couleur-là, vous pouvez matcher avec ces billes-là. Pour cette coiffure, vous n'aurez que besoin de 2 élastiques mince et de 2 pinces à cheveux ou plus si vous en avez besoin. En premier, prenez une des mèches de vos cheveux et commencez à tresser ces mèches-là. Ne tressez pas jusqu'au bout, ça veut dire très longue, car pour faire les oreilles de chat, une certaine longueur sera suffisante. Et lorsque vous trouvez que la grandeur des tresses vous va bien, vous pouvez arrêter la tresse et attacher avec un élastique. Faites entrer une pince dans vos cheveux et pour voir bien l'oreille des chats, pesez sur la pointe des cheveux et comme ça vous formerez une oreille de chat et vous faites la même chose pour de l'autre côté. Voilà pour cette coiffure, je l'aime vraiment, elle est super mignonne et je trouve que cette coiffure va avec tous les âges, il n'y a pas d'âge pour cette coiffure, ça va super bien et c'est super rapide. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'est déjà fini, en effet, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube de Lou et de partager et liker mes vidéos et puis c'est ça, bye!